à tous aujourd'hui je vais aborder deux sujets différents alors je sais pas comment ça va se faire peut-être que je vais couper la vidéo en deux ça va être en fonction de voilà de tout ce que, du contenu que j'aurai à dire puisque je ne prépare pas mes vidéos et je le fais de façon aussi spontanée qu'un live parce que je suis bien meilleure là-dedans que quoi que ce soit d'autre donc j'ai envie de parler de, du stress euh, la plupart du temps, on a le sentiment que euh, ben on, la façon dont on va décrire nos émotions quand on est en demande euh, émotionnelle par rapport à ben justement, par rapport à moi, par exemple, par rapport à mon compte ou par rapport aux fleurs de Bac en général, euh, on peut dire ben voilà, je suis stressé. Est ce que vous auriez une fleur pour ça Alors, je voudrais juste remettre un petit peu les choses à leur place, entre guillemets. Alors, de façon euh, globale, on a souvent tendance à utiliser ce mot euh, de façon assez galvaudée euh, et on peut utiliser cette expression euh, de se sentir stressé pour mille et une raisons de notre quotidien. Alors tout le monde n'emploie pas ses, ses, cette terminologie, hein, mais euh, c'est un mot qui veut dire qu'effectivement, bah, on sent qu'on ne peut pas gérer la situation, qu'on n'est pas très bien en ce moment, ou que et bah, justement, nous, les fleurs de bac, on va pas s'arrêter au mot stress et on va rentrer dans euh, la définition en tout cas de la représentation que la personne se fait d'elle-même, de son émotionnel par rapport à ce fameux mot stress. Alors, est-ce qu'il y a une, deux, cinq, dix, quelques fleurs de bac qui peuvent correspondre au stress Eh bien non. Voilà, la réponse est non. Puisque le mot stress ne correspond à rien en particulier euh, sur les définitions euh, de ce que peut représenter euh, voilà, les 38 fleurs de bac. Alors, ici, on a une peut-être à proposer, mais est-ce qu'elle va jouer le rôle de tout ce que peut vivre la personne dans ce stress, pas nécessairement. C'est pour ça que je vais mettre quand même un gros bémol et de gros guillemets par rapport à ça. Alors vous la connaissez probablement, c'est cette fleur-ci qu'on appelle la 39e fleur et qui correspond donc au rescue. Donc, c'est un mélange qu'on qu appelle aussi le remède d'urgence et qui va convenir à beaucoup de situations dans, dans les moments où bah, on n'a pas toujours les fleurs à côté de soi, où on ne les connaît pas. On va essayer de parer au plus urgent de notre émotionnel pour continuer à faire face à, à ce qu'on a à traverser. Et donc, ce flacon-là contient cinq fleurs de bac et l'association de ces cinq fleurs font une forme de synergie qui correspond à une seule fleur et donc c'est vrai que lorsqu'on dit je suis stressée, euh, pourquoi pas euh, si c'est ponctuel et que j'ai rien d'autre et que je ne vais pas creuser au delà quatre gouttes de rescue quatre gouttes donc de remède d'urgence ça va comment dire, assainir euh, calmer le jeu euh, ça va ça va réconforter dans un moment où euh, bah, peut-être que je suis hors de chez moi peut-être que je suis euh, dans une situation où je, je, je n'ai pas le temps non plus de réfléchir aussi à, tiens, je vis ça, quelles sont mes émotions actuellement euh, Si j'ai un... Une dose émotionnelle qui dépasse son seuil, évidemment, on n'a pas le temps de se poser, de se dire Bon, ben voilà, qu'est-ce que je ressens On sort son flacon, on prend quatre goûts dans la bouche ou dans un verre d'eau, si c'est la possibilité de le faire ou pas, et puis on va attendre de retrouver euh, ben, ce qu'on aimerait retrouver, c'est-à-dire peut-être notre calme initial, euh, peut-être une faculté de penser, peut-être qu'une faculté de. Quand je dis penser, c'est de penser de façon rationnelle et pas non plus s'emballer dans l'énervement dans à outrance, voire carrément le même le. Quand on perd pied, parce que bah, c'est trop en fait, finalement, cette émotion-là. Et donc, la rescue va répondre de façon assez globale à ce que l'on peut considérer comme un état de stress. Alors, si on s'arrête simplement à rescue euh, et qu'à chaque fois qu'on ne se sent pas très bien, pas très à l'aise pour telle et telle situation et qu'on prend systématiquement quatre goûts de rescue, et bien, on peut passer aussi à côté. De la quintessence réelle, de l'émotion qui va émerger euh, à la racine, en tout cas, de ce que nous, nous appelons le stress. Pour donner un exemple concret, j'ai sorti les fleurs ici. Euh, voilà la première, par exemple. Si je suis extrêmement impatiente, impatient, irritable, je trouve que la situation met trop de temps à, à se solutionner ou que je suis trop dans une attente et que c'est la, la situation et les événements qui vont autour, les personnes qui vont être les protagonistes de cette situation ne réagissent pas aussi euh, promptement on va dire euh, que j'aimerais et bien là voilà c'est de l'impatience et je pourrais dire je suis stressée en ce moment parce que, par exemple, sur la situation actuelle globale mondiale, euh, j'aimerais que les choses aillent plus vite, par exemple. Hein, alors que ce soit d'un bord ou d'un autre, je ne citerai rien. Vous doutez pourquoi Parce que la polémique n'est pas là, bien que j'ai quand même un avis tout à fait personnel. Mais chacun son point de vue, et c'est pas le sujet de la vidéo. Euh, et donc, je peux être dans une sorte d'attente extrêmement, euh, euh, voilà, très. Très tendu à l'intérieur parce que je trouve que ça fait trop longtemps que ça dure et que ça va pas assez vite peut-être d'avoir justement un résultat peut-être une sortie peut-être une capacité aussi de pouvoir gérer cette situation et d'en voir enfin le bout parce que ça ne va pas assez vite et que tout traîne en fait autour de cette histoire là et bien donc là je pourrais considérer que je suis stressée et donc je pourrais prendre de l'impatience mais si à chaque fois que je vais pas bien et que je ressens de l'impatience et que là justement bah, je prends quatre gouttes de rescue, et eh ben en fait euh, peut-être qu'il faut que je me tourne juste sur la fleur de l'impatience parce que pour le coup euh, c'est peut-être celle-ci qui conviendrait le mieux à ma situation. Donc c'est important aussi de voir euh, les, la subtilité entre ma prise de rescue quand je sens. Euh, que je ne peux plus faire face à la situation et que, et que je n'ai pas le temps de réfléchir et que là, il faut vraiment que je retrouve tout de suite euh, mon état euh, émotionnel d'origine, on va dire peut-être bah, justement du calme, de, le, voilà, du bien-être, de la, la capacité à, à faire face à, à ce que je vis actuellement par rapport à, à la situation actuelle. Et puis, bah, de façon chronique, ou même peut-être même répétée, si j'ai effectivement euh, euh, cette... Euh, ce, ce, cette impatience, cette, cette irritabilité qui, me, qui est chevillée à mon corps, en tout cas à mon corps émotionnel, et que je ne pense qu'à qu qu activer le processus et que ça me rend irritable. Euh, voilà, survolté dans le sens où, où je vais avoir tendance à répondre avec impulsivité, à plus pouvoir non plus, euh, comment dire, freiner aussi, euh, voilà, mon, mon énervement, mon, mon impulsivité, mon irritabilité, parce que ça va pas assez vite, ben, c'est vraiment sur l'impatience que je vais aller. Et donc je préviens la différence entre quelque chose de tout à fait ponctuel que je ne peux pas gérer et puis euh, l'impatience, parce que l'impatience c'est vraiment euh, la situation qui correspond euh, à, à mon état émotionnel. Euh, D'humeur euh, qui est liée à une problématique X. Donc euh, voilà, on va faire les deux euh, de façon euh, différente et puis euh, rien ne nous empêche d'avoir toujours du récit avec soi. Mais ce qui est important, c'est de comprendre par rapport au début de la vidéo est-ce qu'il y a des fleurs de bas qui correspondent à, des, à du stress Eh bien, en fait, toutes les fleurs amènent à, euh, au stress. Hein, euh, en tout cas, on pourrait dire que toutes les, les émotions, plus exactement, que nous pouvons ressentir, nous pouvons les définir comme étant euh, des situations internes que nous vivons comme un stress. Et donc, que ce soit euh, de la peur, puisqu'on vient de voir minus une peur identifiée, une crainte par exemple de l'avenir, et, euh, et ben, je, je peux dire ben, je suis stressée, et quand on fait la différence entre l'impatience et euh, l'avenir, parce que je ne vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir, peut-être financièrement, professionnellement, de ne plus pouvoir voyager, etc ou au contraire de voyager mais voilà euh, de ne de, de pas pouvoir toujours aussi voyager avec les personnes qui par exemple qui, qui ont envie de m'accompagner parce qu'elles ne le peuvent pas et bien justement impatience euh, ça va j calmer l'irritabilité mais mimulus ça va calmer mes peurs et donc si je dis que je suis stressée ben, qu'est ce que je dis est ce que je parle plutôt d'impatience est ce que je parle de peur est ce que je parle peut-être de la crainte pour les autres peut-être que je suis super anxieuse anxieux pour mes proches par rapport à cette situation si j'en prends au hasard, je ne sais pas quel, ce que j'ai tiré, la gorse, est-ce que j'ai dit je suis stressée parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, euh, que l'on puisse faire un choix ou un autre, euh, une orientation ou un autre, de toute façon, il n'y a pas de solution, c'est foutu, on va rester comme ça toute notre vie, etc. Et donc ça va être du gorse. Et là, je veux dire bah, je suis stressée et finalement, bah, en réfléchissant un peu sur nos émotions et notre état interne et surtout les mots qu'on va employer et comment on va vivre notre situation, ça peut être différentes situations. Là, je peux dire que je suis stressée parce que, parce que je manque de confiance en moi et que par rapport à cette situation, je ne sais pas si je vais être capable de la vivre. Et du coup, euh, bah, j'essaie même pas parce que de toute façon, je me sens limitée dans mes ressources par rapport à, à, à mes moyens pour vivre cette situation au mieux que je peux. Et donc je pourrais dire je suis stressée, mais c'est toujours le mot stress et c'est toujours pas la fleur dont on parle. Euh, là, je pourrais dire je suis stressée, mais en fait je m'apitoie sur mon sort euh, parce que c'est injuste tout ce que nous sommes en train de vivre depuis deux ans et que c'est compliqué et que moi par exemple bah, ça m'a obligée de vivre telle et telle situation et vraiment j'ai vraiment pas de chance. Euh, donc là, je vais plutôt me comporter comme une situation où je vais pas essayer de trouver des solutions non plus et je vais m'apitoyer sur mon sort. Donc je vais dire que je suis stressée. Et que la situation pour moi est compliquée en ce moment. Et vous voyez que si on voit toutes les fleurs que nous venons de, voilà, de, de citer, et eh bien, c'est n'est pas le stress qui est important à prendre en considération. Euh, ça va être, euh, alors, il y en manque qu'une, mais c'est pas très grave. Voilà, Red et Mimulus. Vous voyez bien que quand je parle de stress, hein, c'est pas le stress qui est intéressant là. C'est la, la façon dont moi, je parle de mon émotionnel face à cette situation particulière. Et c'est cette situation émotionnelle. Alors. Là, j'ai pris la situation euh, voilà, actuelle mondiale, mais quelle qu'elle soit, ce n'est pas la situation non plus. C'est le mot que j'emploie pour définir mes émotions. Et le mot que j'emploie stress n'est pas une fleur. Euh, ces six fleurs-là pourraient correspondre au stress. Mais euh, il y en a 32 autres, hein, donc vous voyez qu'il n'y a pas de fleur pour le stress. Et encore une fois, eh bien, si on a envie d'aller euh, bah, rapidement sur quelque chose parce qu'on n'a pas le temps de définir nos émotions, et que peut-être qu'on ne connaît pas les fleurs et que qu'on les découvre, eh bien, quatre gouttes de rescue, ce sera OK. Mais si je prends quatre gouttes de rescue, pareil, sur six semaines, huit mois, etc., bah, c'est que je suis passée aussi à côté de cette information nécessaire pour identifier vraiment ce que je ressens à l'intérieur. Et ce que je ressens à l'intérieur, il n'y a que moi qui peux le savoir. Et Pour ça, je me fais accompagner par un conseiller agréé en fleurs de bac. Voilà, et donc je vais faire la deuxième vidéo, je vais clôturer ici et je reprends pour la suite.